Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Crusader Kings 3 avec le grand roi de Grande-Bretagne, le roi Ragnar, 38 ans. La Eh sale oui. tête que t'as quand même, t'as pas l'air... Je suis un peu couard. C'est peut-être pour ça que Lâche, j'ai des problèmes. zélé et ambitieux. Ouais, on voit, le mec il inspire la confiance quand même. Tu m'étonnes que Mais je t'aies du mal dans le royaume. suis. Ah, je suis un intello, c'est tout. Ah. Et toi, comment tu te portes, mon cher Daniel? Oh, mais il t'est arrivé des trucs dans la gueule. Ouais, deux, trois... Bah, je me suis flagellé, je me suis gravement blessé moi-même. Je Parricide. suis accusé d'avoir tué mon frère, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. D'ailleurs, je suis en train d'assassiner un deuxième frère, C'est parce possible aussi. que c'est possible. Allez, c'est parti. C'est Alors, parti, et et moi puis j'ai une surtout, guerre. je suis hyper stressé. Je vais essayer de faire en sorte que l'un de mes fils soit Zatru, que tu tues l'autre. Et ensuite, eh ben, on essaiera de convertir à nouveau toute l'Angleterre, à la fois Voilà. nordique, à Zatru, de façon à pouvoir repartir en pillage. Attends, j'ai un chantage. Vois pas qui pourrait te faire chanter. Bon, là, on est bien. Je deviens meurtrier et meurtrier, j'ai quoi en malus si je deviens meurtrier? Oh bah, tout le monde est meurtrier, alors t'embête pas. Donc je décline son chantage. Ok, au revoir. Merci Ah, parce beaucoup. que je... ah, c'est toujours l'autre Spolette. Bah oui, je sais, et alors. Opinion générale, moins 15. Allez! Ils sont plus que 9000 ce coup-ci, mais moi je suis plus que 5000. En même temps, je suis redoutable, donc je l'ai profondément. On tape sur les moellettes, ils sont là pour ça. Bien, donc je vais me débarrasser de Rumsder. Middleborg. Et donc je vais en gagner 3 et donc ça sera bon. Bah lui, je vais lui redonner Rumsder. Est-ce qu'il m'aime Je pas peux faire quelque trop? chose. Il y a du monde quand même. Hein. Ils sont quand même 5-6 000. Ils sont costauds, les Moladites. Bah Pour oui. trois comtés, deux comtés et une ville. Ok, eh ben écoute, viens. Pourquoi elle m'aime pas, elle? Est pénible. On va se fâcher. Heureusement qu'il y avait un duc que j'ai réussi à convertir catholique avant. Ça aide pas mal. Bayeux, il me déteste. Transférer Bayeux. Ah bah ils sont en guerre. On réunit les troupes. Il y a un atout en intendance. C'est parti, obligation en or. Et le prochain, 11 000 c'est hommes. mon domaine. Eh, 11 000 hommes avec l'ordre sacré quand même. Ah bah t'en as de la chance. Moi, c'est loin d'être mon cas. On va taper. On peut pas fusionner? Quel malheur. Allez, c'est parti. Faction formée contre nous. Bon, bah, je vais pouvoir recommencer à développer. Rouen, il n'y a rien à développer. Je sais ce que je vais développer. Non, j'ai changé d'avis. Mes vassaux, ça part un peu en sucette là. Hein. Non, il faut pas sucer ses vassaux. Oui aussi. Allez, gestion intérieure, tant pis. Il faut rester en gestion intérieure en urgence. Faut calmer tout ça. 96%, c'est bien. Alors qu'est-ce qui reste? Non mais vous êtes pas sérieux les moellettes quand même. Toute façon, faut les convertir parce qu'ils vont te pourrir la vie pendant un moment. Ouais, je sais. L'avantage, c'est que les Omeyyades, tu les as presque finis, hein. Ça peut aider aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut déclarer une guerre chez eux? Non, pas tellement, hein. On y réfléchira. Ça peut être une guerre de royaume, c'est vrai.
J'ai juste profité en off de faire une purge de prisonniers. Ils veulent embarquer. Allez, il faut les choper. Encore quelqu'un qui est mort. Tout le monde meurt. Partir avant, on va pas les avoir. On va pas les avoir. Pays de Galles, rigolo. Ça se divise. Allez, 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 ils sont prêts d'embarquer. C'est tendu chez toi. Un peu. Victoire! Youhou! Bon, Du coup. j'assassine pour me refaire mon domaine et mon domaine va être bientôt refait. À nouveau, 8 territoires. 6 en Normandie, même 7 en Normandie-Bretagne et 1 à Nidaros, qui est un lieu saint, Azatru, que je vais transformer. Probablement, je vais féodaliser un jour pour faire un château, pour y faire un grand temple, quand je serai Azatru, et moi je serai jamais Azatru. Est-ce que je pourrais me flageller? Je pourrais, comme ça je mourrais. Mais J'ai je un veux compte. pas me mourir. Oh bah je vais le virer, ça appartient au domaine de Valence. Avant je Je gagne récupère un compte 30. et. Ah non! Non! Malédiction! Malédiction! Ma tentative d'assassinat a été trouvée! Ah, c'est moche. Ah, comment je. Bah non, mais là c'est fichu. Comment je vais faire? Aïe 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 aïe. Bah, je continue quand même parce qu'il faut qu'il meure lui. Hein. Tu peux l'assassiner, toi, Alors attends, on fait une pause de 2 secondes et tu me dis qui? le prince Richard de Grande-Bretagne, mon frère. Le comté d'Alençon. Alors attends, ton frère. Le comte d'Alençon. 11%. Je démarre, on va bien voir. T'as des sous? J'ai des sous, c'est pas le problème. Il y a un maire qui pourrait venir pour combien? 150? Je regarde un peu. J'ai pas beaucoup de gens qui pourraient rentrer, par contre, c'est limite, hein. Ouais, mais il faut essayer parce que moi j'ai été découvert et j'ai absolument besoin de son domaine. Bon, 150. Je te paierai ce que je peux dès que je pourrai, quand j'aurai le domaine. 200. Waouh! 250. Vas-y, lâche la pause. Waouh! Pour voir. Où je. 150, 200, ça va me coûter 600, c'est ça? Là, je suis à 250. Attends, je regarde à combien de pourcents j'arrive, surtout. C'est ça le problème. Je suis à 64% de possibilité, 95%. 84-95, c'est pas Ah mal. bah, c'est excellent, c'est excellent, excellent. Dans 14 mois. Allez, on laisse filer. Et j'ai un J'abandonne le domaine à mien. gérer. Et combien je te dois? 250, c'est ça? 250, oui. Petite somme. Je te donne ça petit à petit. Je t'envoie un cadeau. 56. Lérida, c'est dans quel domaine ça? Là, c'est dans. Là, ici. C'est à Barcelone. L'ouest de Barcelone. Ah oui, je pourrais donner ça à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un de la famille pourrait hériter de Lérida? Comment se passe ma succession? Mal. On va le faire autrement. Quoi elle? On va bien. Est-ce que je peux me convertir à la foi de mon. Mais. Ah bah non. J'allais dire c'est cool, je peux me convertir à la foi de ma compagne, mais non, pas du tout, tu payes exactement comme normal. Ok. On oublie. Yes, des déserteurs. J'ai plein d'events là. Alors, l'assassinat obtient de la progression, oui. Je vérifie vite fait. Dis-moi. Ça marche. Je crois, je revérifie. Ouais, c'est ça. Tu te dis quoi? Non, tout se passe bien. Je veux bien te dire, mais tu me dis pas ce que je dois te dire.
Non, je cherche toujours quelqu'un à qui offrir un comté. Moi? Tu veux Non, offrir des non. comtés? Alors, Bellum Gestum, Coolie Casus Belli. Ouais, c'est fait. Trouvez-moi un héritier. Mais pas trop proche, quoi. Il y a une trêve. Envers, c'est toujours pas bon. Machin, toujours pas bon. La Francie, il est très fort. Et moi, je suis surtout très faible. Jutland, trop fort. De toute façon, avec mes 5000 hommes, c'est même pas la peine. Je ne peux rien faire. Barcelone, Contre-Antoine. Même elle, je peux pas y aller, quoi. Vivement qu'on redevienne Azatru et qu'on convertisse tout ce beau monde. On aura du mal à s'allier après, hein. Pour la religion, ça va être compliqué, oui. Tu vas même être obligé de partir en croisade contre moi à tous les coups. Mais je tiendrai bon. Il y en a marre. Je ne renoncerai pas. Écoute, j'ai que deux, j'ai 8 propriétés et en plus de Valence, j'ai Valence et enfin Bordeaux et Majorque, Palma. À qui est-ce? Ouais, je vois ça, ouais. Et t'as Pampelune, t'as Fala et Bordeaux. Ouais. Oh là! Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es mort? Ouais, donc vient l'empereur. Encore! Nouveau chef culturel. J'étais chef culturel, faut croire. Gilbert! Bon. Toujours catholique. Toujours Fais ta catholique pour pause. l'instant, et j'espère que je vais le rester. Faction dangereuse, 1000% pour tout le monde. Non, on va attendre le prochain mois pour faire. Pour voir ça, parce que. Hop. Ok, les factions dangereuses. Ok, tout va péter alors. Faction pour l'indépendance, c'est quoi ça? Le duc de Helgoland. C'est le seul. Pas obligé de Ok. lâcher une terre pour l'instant, on va garder le pognon. J'ai vu les détails. Bon. Le duc de Helgoland. Pour Donc l'instant, ce garçon il est tout seul. ne me rapporte plus rien et Tu pourrais me soutenir dans une guerre, j'ai vraiment besoin. j'ai 10 000 hommes, oui, ce serait contre qui? D'abord, il faudrait qu'on soit alliés. Tu peux pas t'allier avec moi? Je regarde. Arranger un mariage. Moi avec. T'as pas une fille superbe? Non, j'ai que des gars. Et côté frangine. Ah, attends, je vais te Si, ah si, proposer. j'ai une sœur, dis donc. 61 ans, ça te va? Non. Bon. Ma sœur. Mon cousin, ma sœur, tiens. Puissance d'alliance. Ah oui! Avec. Ah oui, le problème, c'est que je vais tous les virer. Je T'as un crois que je les ai. cousin. T'as un cousin. Donc matrilinéairement. T'as un cousin, le Jadvabre Fitzradvar. C'est pas un héritier, lui? Il est magnifique, filiforme et Son génial. père? C'est qui son père ou sa mère? Je te le propose. Et normalement, ça ferait une alliance. Je vais regarder, vas-y, propose. On y va. J'ai besoin d'une alliance vite pour pas que ça pète. C'est qui ce mec-là? C'est mon fils! Donc évidemment, j'ai dû Ah oui, mais reperdre. ça m'embête parce que je voulais qu'il devienne moine celui-là, mais bon, on va essayer autrement. Bah, il va passer dans mes dynasties, ça. Ah non, ça revient pas au Oui, même. mais. Tu pourras Non, le mais c'est pour les déshériter. terres. Voilà. Tu pourras le déshériter. N'oublie pas de le faire. Bah, je vais le faire maintenant même, tu vois. Ouais. Parce que là, il n'y a pas d'autre solution. Bon, j'ai reperdu tout mon domaine. Donc faut Alors, que. je suis disponible. J'ai rien de particulier. Très Sinon, je bien. partais en pillage, hein, c'est sûr qu'ils Non, me disent. j'ai Donc. besoin de toi parce que j'ai un rebelle là, le duc machin là.
Je veux lui soustraire un vassal. Voilà. Il va Attends, je... refuser et c'est la guerre. Bon, d'abord, il faut que je lève mes troupes. Et j'ai très très peu de troupes. Et surtout, j'ai plus de domaine. Et je peux pas assassiner mes frères. Faudrait que tu assassines mes frères aussi. Le comte d'Alençon. T'es pas en train de l'assassiner, le comte d'Alençon, de toute façon? Non, c'est qui que je... Alors attends, je repars. Je suis sur le prince Richard, toujours, dans 5 mois. C'est lui, ouais. Parfait. 80% à peine de succès. Parfait, et après, bah si tu peux augmenter, essaye d'augmenter. Et après, il faudra assassiner le prince Daniel, mon frère, ce coup-ci. Ah oui, tiens, j'ai mon espion. Pour l'instant, je lève mes troupes. Je vais lever mes troupes. C'est compliqué là. Compliqué, compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai une chance de passer à Zetru. J'ai un espion qui est complètement naze. J'ai eu un chantage. Allez, je lève toutes mes troupes. Et on y va. Alors attends, tu m'as appelé ou pas dans ton truc? Pas encore. D'abord, je lève mes troupes, puis je vais sur la capitale du mec. Puis je lui demande de me transférer un de ses vassaux. Il va refuser, c'est la guerre. Je suis déjà sur sa capitale. C'est la galère, parce que j'ai plus le droit qu'à 5 de domaine. Je ferai partir mes troupes d'Irlande peut-être ou de Bordeaux, tiens. Je suis honnête et calme. Et hop. Diplomatie, érudition. Oh là 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 là, c'est la cata. Moi, zou. Zou, zou, zou. Je ne suis pas fiancé. Alors, génie. Cervelle et Alicante. Allez, 39 c'est ans. parti. Bon, ça se gère bien. Mes troupes vont popper à Bordeaux, je suis prêt. J'espère que ça a marché. Monseigneur, vous êtes actuellement en possession de quelque chose qui devrait être à moi. T'as un vassal à transférer. Non, mais Cervelle est à moi, c'est mon domaine, hein, va te faire voir. Ah, Ça va, il s'y croit, le duc Hakam. Ouais, c'est vrai que je lui donne un peu de pouvoir aussi, c'est vrai, mais il m'aime bien. yes! Vous convertissez à la foi Zatru. Ah bah ça marche! Ça marche, mais alors, attention, c'est la cata. Les factions, ça va péter dans tous les sens. Autant te dire que je vais avoir besoin de ta troupe pour 10 mois. Pour 10 mois, pour 10 ans. Ça y Attends, je veux est. voir mes mangonos. Est-ce que j'ai le temps de faire mes mangonos? Ça y est, le roi d'Angleterre veut le titre. Et dans 5 mois, il le veut. Il le veut pas plus tard, il le veut maintenant. Donc, aïe, 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 aïe. Je peux plus faire péter l'autre, parce que si... J'ai claqué du prestige, hein. C'est bon. Donc le roi d'Angleterre. Bon bah du coup je peux plus le faire péter. Lui, le comte Alphonse de Bayeux, il faut absolument que je le donne à la Bretonne. Non, la Bretonne elle me déteste. Bon, je me suis converti, mais personne ne s'est converti, c'est le problème. Comment je vais faire ça moi? Aïe 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 aïe, ça va être chaud 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 bouillant. Comment je vais faire? Disperser tout. Je suis chez moi après tout. Trop faible pour envoyer, trop faible pour envoyer un ultimatum. Donc je vais avoir une guerre contre le roi d'Angleterre. Bah il y a juste à attendre. Sérieux, contre le roi d'Angleterre? Ouais. Alors faut que je pop en Irlande. Ouais, il faut que tu popes en Irlande et que tu viennes. Maintenant, en fait. Mais si je lève mes troupes, je pourrais pas te rejoindre tout de suite. Mais est-ce qu'on est alliés? On est bien alliés, hein. Je revérifie. Ah si, tu pourras me rejoindre tout de suite, de toute façon. Je suis allé au comte de Labour, moi. C'est quoi ce délire?
Eh ben bravo. En plus, c'est un Irlandais. Mais c'est pour la famille, j'ai dû faire un truc bizarre. Alors, ton prince Richard, il aime bien les bonbons? J'espère. Allez, je lui en donne. Ah, raté. Oh non! Non, non, non! J'aurais Tu dû veux te que payer, j'insiste, tiens. hein? Ah bah oui, il faut absolument, c'est mon domaine. J'ai plus de domaine, j'ai plus rien, j'ai plus de troupes parce que j'ai plus de domaine. En fait, mes seules troupes me viennent de mes vassaux, de qui ils vont se rebeller, j'aurai plus rien. 14 mois encore. Oh Et je là suis toujours là aussi là, bon. c'est pas vrai. J'ai pas été repéré. Bon, bah écoute, hein. Bon, je suis azatru. Comme maman. Enfin, comme ma belle-mère. Pour le coup. Puisque c'était pas maman. Alors, dans ce monde merveilleux où on essaie d'avoir du prestige. Alors, puissance d'alliance. Le roi Helgi II a été emprisonné? Qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là? Le roi d'Irlande, là, eh oh. Elle a 5000, elle. Hop Elle veut là. siéger au conseil, mais elle est bon en quoi? Zou. Elle est pas Alors, bonne intendante. pourquoi il pète pas là la faction? Ça peut péter à n'importe quel moment. Ah non, l'indépendance aussi, l'autre. Alors maintenant, hop. Allons-y. Ma petite sœur. Trouver puissance d'alliance. On n'est pas alliés ensemble? Tu rigoles, mais si. Je suis allié avec Pause. l'empereur Philibert de Petite-Bretagne, si? Si, si. On est alliés? Oui, Ok, je parce qu'il confirme. me repropose une alliance avec toi. Puissance d'alliance, Grande-Bretagne, Galicie. Grande chefferie de Petite Pologne. Alors, matrilinéaire, puissance d'alliance. Alors lui, pareil, il va être au conseil. Hop, on y va. Je ne me laisserai pas menacer. C'est la guerre. Le duc du Piémont qui veut être là. J'ai besoin de toi. Je finis un cadeau. J'ai réglé quelques problèmes de duc. Non! J'ai que 3000 hommes. Je vais mourir dans la seconde si t'es pas là dans la seconde. Mais t'inquiète. Allez, tu m'as pris dans ta guerre ou quoi? Oui, tes troupes, elles étaient déjà bien levées en Irlande et en train de se déplacer vers chez moi. Non, 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 j'attendais Mais tes ordres. non, je te l'ai dit, ben, les ordres, je te les ai donnés, les ordres. Allez, on reprend, t'es en guerre, j'en vérifie. Ah, je vais mourir, t'es pas là. Mon Dieu, il fallait que tu sois là avant. Proposer de rejoindre la guerre. Non, 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 je t'ai déjà invité. Voilà, et du coup, tout levé, c'est parti. Et, oh, et puis c'est l'hiver, allez. C'est vraiment pour toi tout ce bordel, hein. Aïe 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 aïe. Bah, ça va, 21 000 hommes en défense. Ah oui mais... Aïe aïe aïe. Est-ce que je vais gagner cette bataille ou pas? Pas de chevalier potable pour l'hiver, moi. J'ai plus que 2000 hommes déjà. Je monte, je monte, je gonfle. Par contre, il faut que je protège mon fils. Mais non, on s'en fiche. Tu rigoles, c'est mon héritier. Ah, et t'auras Allez, un autre vas-y. héritier, hein? Non, pas celui-là, j'y tiens. Oh, eh ben voyons. T'as bien déshérité celui qui doit pas hériter? Oui. Ah ouais.
Et le deuxième, j'attends qu'il se pop pour, à 10 ans pour l'envoyer dans l'ordre sacré. Donc pour info, les catholiques vont se rebeller chez moi dans 6 mois. Et dans 3 mois, c'est le duc du Nord. Génial. Et je vais bientôt me faire dépouiller par une armée qui va arriver avant toi. En fait, t'as une sacrée galère. Bah évidemment, je suis à la fois un enfant et Azatru. Ah oui, alors tu veux que j'aille dans un pays de catholiques. C'est pour ça que je demande à un catholique de venir m'aider. Il faut que j'aille à ta couronne, tu veux que j'aille où Parce que Londres n'est pas attaqué. C'est Londres que j'attaque, il faut prendre Londres. Alors j'arrive. J'embarque. Et divise tes forces en deux, parce que tu vois en bas à gauche la Dorset qui va vers Cornouailles. Il y a 1500 ouais. hommes. C'est là que se trouve à la tête de cette armée le leader. Donc si tu peux lui faire un petit coup de castagne. Bah je peux débarquer chez lui. Ouais, à Dorset. Essaye d'aller à Dorset, ouais. Et il est en train de remonter vers chez moi là. Viens plutôt te mettre d'abord en protection sur moi, parce que s'il me tape, c'est la fin. Il faut que tu débarques à Middlesex. Ça arrive. Ouais, en bateau tu vas aller vite. Parce que là il y a 2500 hommes qui débarquent du haut. Il y en a 2500 qui arrivent du bas. Voilà, j'arrive dans la Manche. Ah quel stress. Ah bah de toute façon des guerres je vais en avoir 2, voire 3, voire 4. Il va falloir que j'emprisonne tout le monde. Que je leur révoque leur titre, que je les vire. Que je remplace par des Azatru. Que je n'ai pas, parce qu'il n'y a personne qui a Azatru dans mon royaume. C'est fou de repartir comme ça. T'aurais dû être slave directement. Et dans 2 secondes, le pape va me déclarer un truc. Donc maintenant que t'es à côté de moi, essaye d'aller choper les forces, et notamment celle qui a 1668, qui normalement est celle qui est dirigée par le roi d'Angleterre. Il vient vers nous. Attends, il faut que j'ébarque dans le bon sens, moi, là. Allez. Les 4000 hommes, là. Oh là là là. Hey, il va arriver sur moi, là. Tu pourras me protéger ? J'arrive. Je ne me laisserai pas menacer. Nouvelle guerre. J'arrive. T'as une guerre contre qui maintenant ? Contre moi encore. Oh. La guerre d'indépendance dans le nord, un duc. Allez, c'est parti. Je sens que ça va me plaire. Est-ce que j'ai un malus de débarquement par hasard ? Je sais pas, essaye de défoncer les 4000 là si tu peux. J'accours pour la famille. Pour l'instant, cette guerre se passe très bien. Et il va te. Tu fais courir quand même, hein. Un peu, ouais. On va remonter vers l'Écosse. Allez, on va castagner. Et après, j'ai un mec dans le Grand Nord à aller prendre. Dans le très très Grand Nord. Ça y est. Bon, je suis à 2 contre 1, est-ce que je suis bien ? Ouais, t'es très bien. Il se défend quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas grave ça. Il peut se défendre. Alors, l'objectif. Je vois pas ce qu'on pourrait faire comme objectif. C'est quoi l'objectif ? Oh punaise ! Ouais, il faut détenir des terres dans l'Empire de Petite-Bretagne. Bon, bah, de jure, j'imagine. Et du coup, moi, j'ai plus de terre dans l'Empire de Petite-Bretagne de jure. Et donc, c'est compliqué. Retente l'assassinat. J'ai hérité. Eh, ton prince est mort. Merci. Faudra en tuer un autre bientôt. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Du coup, je bloque le nord. Je suis en train de faire un siège, si c'est utile ou pas. Non, hein. De moi. Non, pas du tout. Je monte voir les Écossais ou je m'occupe de celui qui est parti vers le bas ? Il faut que t'ailles dans le Grand Nord, il faut que t'ailles en Norvège. Tu rigoles, je te laisse avec les 3000 hommes là ? Hein ? Ouais. T'as 3000 hommes en Angleterre. Tu veux que j'aille en Norvège ? Ouais, c'est une autre guerre. Tu veux que j'aille au Danemark ? Non, en Norvège. Écoute, le Danemark est contre toi. Ouais, mais ça on s'en fiche. C'est la Norvège qu'il faut attaquer. Les 2700 hommes qui sont en train de faire le siège de Nidaros. Vu. C'est parti. 2000, 3000, 4000. Ok, ça rigole pas. Je voulais pas qu'on aille prendre la couronne d'Écosse, quoi. Non, ça sert à rien. Ça fera pas de score de guerre. T'as pas réussi à capturer le prétendant lors de ta bataille. J'ai pas réussi non plus à le capturer lors de ma bataille précoce. Et donc, on fait du siège. On fait du siège et avant que j'ai suffisamment de terre en,
en empire de Grande-Bretagne, en Petite-Bretagne, pour dire que c'est que j'ai l'objectif de guerre, on en a pour perpète. Donc bah, je fais des sièges au pif, ça va faire du score. Voilà, hop, on va remonter. J'ai que des paysans, les factions se revivent, donc je suis vraiment peinard chez moi là, c'est incroyable depuis quelques épisodes. Ben oui. Ils sont plus que 3700 en face hein, dans la guerre hein, contre moi. Donc je peux la gérer maintenant. Maintenant que t'as bien mis une bonne grosse torgnole. Ah par contre il m'a pris Nidaros là-haut, ok. J'y retourne, j'y retourne. Alors faut pas libérer Nidaros, va direct sur sa capitale maintenant du coup. Le duché de Helgoland, tout au nord. Au pôle nord. Je mets en pause parce que t'es en train de débarquer au mauvais endroit. Ouais, c'est ça. Pôle Nord. Tu vois sa capitale, duché de Helgoland? Dans Tout au nord. Nordland, tu veux que j'aille? À comté de Loffotre. C'est dans quel duché? Allogaland, tout en haut, vraiment au nord. Ah oui, au nord de la Suède alors, vu. Norvège, plutôt, mais bon. Ou Norvège. Ouais. C'est Attention, où que je vais? là, t'es en train de débarquer, non? Non, 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 t'es. c'est bon, j'ai corrigé. Tribu de Vagar tout au nord, là. Ouais, tribu de Vagar tout au nord. C'est parti. C'est bon. Voilà, faut que tu prennes ça. J'étais parti en Islande, tu vois. Je me dis, mince. Hein. Ah ouais, là c'était le bon gros nord. Mais ouest. On va débarquer Bon, j'ai une dessus. troisième faction qui va débarquer bientôt, hein, ça sera le catholique nordique. Alors eux, ils sont beaucoup. Hein. Je tiens à signaler que j'ai quand même 100 mangonos personnels. Hein. C'est très bien, t'en as autant que moi. Il me manque encore 1800 de prestige, punaise. 82% de score de guerre pour cette première guerre. Il faudra que j'exécute un maximum de personnes. Ça tombe bien, ça va m'apporter de la foi. Mais il faut surtout que je les remplace, que je leur pique leur titre et que je remplace par des mecs qui sont de la bonne foi. Ce qui sera compliqué parce qu'ils risquent de perdre leur territoire quand même. Alors, je devrais demander à des gens de se convertir. Et ça, je le ferai entre deux épisodes. Là maintenant. À plus tout le monde. À plus tout le monde déjà. Oh! Coupé.